Nous, on va déposer un recours aujourd'hui pour que la justice constate le fait que la décision ne s'applique pas immédiatement. Et puis, évidemment, on va demander la protection du juge. C'est toujours malheureux dans ce genre de circonstances de devoir le faire, mais pour qu'il annule la décision, parce que l'association n'a pas pu se déterminer sur les reproches qui lui sont faits quand on lui est tombé dessus du jour au lendemain en fermant, la privant concrètement de la possibilité de déployer ses activités. Et puis, on est tout à fait confiant par rapport à ça. Mais hier, je tiens à dire, moi, je suis intervenu plusieurs fois pour dire que on n'a pas vocation à faire de la procédure, a fortiori dans un domaine où il y a 300 jeunes joueurs de foot qui veulent s'entraîner, qui ont l'image du club, qui dorment le soir avec leur maillot, comme disait hier une membre du comité. Il y a un enjeu qui va plus loin que des désagréments d'audit ou de normes comptables, etc. Moi, je relance ce matin l'invitation au conseil administratif et à Mme Barbé-Chapy, qui surprenamment n'était pas là hier soir, de se mettre autour de la table, de mettre en place un plan, d'acter aussi les efforts qui ont été faits par le comité de l'association depuis maintenant 2 mois, de penser plus loin que juste des normes ici ou là, et d'aller de l'avant.